Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors les amis, je fais rapidement cette vidéo parce que Dieu merci, c'est maintenant que je réalise le gros problème qu'il y a actuellement avec le piratage des comptes P3P, les amis. J'ai un partenaire, je ne sais pas si c'est un de mes chiens, qui s'est fait pirater 18 de ses comptes P3P. Regardez bien. Avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet rapidement, je vous invite à vous abonner, abonnez-vous rapidement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Alors, on entre dans le vif du sujet. Chers amis, vous remarquerez que vous avez reçu un mail. Vous avez reçu un mail qui n'est pas de P3P. Regardez bien la différence. Avec P3P, vous avez, n'est-ce pas, le nom de P3P qui vient comme nom du mail. Et c'est écrit no reply, no reply. Donc, l'initiateur du mail ou alors l'expéditeur du mail, vous allez voir là, noreplypetrompe.com. Alors, ici, vous verrez que vous avez tous reçu, la plupart, vous avez reçu, parce que je pense qu'ils ont piraté la base de données de P3P, je ne sais pas comment. Ils ont eu les adresses e-mail de tous ceux qui ont souscrit à P3P et tous les souscripteurs de P3P reçoivent ces mails de Gmede Ziza. C'est un Congolais qui vit en Congo, au Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là adorent voler. Mais excusez-moi, mes frères Congolais, c'est juste que c'est énervant tellement. Même les Camerounais volent aussi. Hein. Bref, Gumeda Ziza, c'est un Congolais. Je sais que c'est un Congolais. Pourquoi? Parce qu'il a ce réseau de braqueurs ou de scammers ou d'arnaqueurs, de hackers ont bloqué 18 comptes. C'est-à-dire quand ils se connectent dans votre compte et que votre compte n'a pas encore de double authentification, alors ils vont l'activer pour ils vont activer votre double authentification, changer votre adresse email et bloquer votre compte et vous demander des rançons. Voilà, donc vous allez remarquer, c'est ce qui attire mon attention parce que la première fois je vois claim, je prête pas attention, je clique sur claim et bam, vous tombez sur P3P Invest, P3PInvest.com. Regardez bien, ils ont tout. Copier des P3P. Et ce genre d'email s'appelle le phishing. Pour ceux qui font dans l'informatique, c'est le phishing. Ceux qui ne font pas, vous allez comprendre. Phishing, c'est de la maçonnage. C'est le fait de lancer un mail, d'écrire un mail dans le but, n'est-ce pas, de récupérer les identifiants de vos identifiants personnels, vos informations personnelles. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, quand vous tombez sur ce faux site, vous n'allez pas prêter attention à regarder que ce n'est pas P3P. .com mais P3P Invest, vous allez croire que c'est P3P. Pourquoi? Parce que ceci va vous tromper. Mais moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne tombe pas dans le piège? C'est que quand je clique ici généralement sur mon compte, si c'est P3P, ça me propose directement mon username et ensuite je tape mon mot de passe. Alors je tape ça, ça m'a fait ça deux fois. La première fois, j'ai dit, mais après, je prête attention. Quand je lève la tête, je dis, et qui? C'est même quoi? Je regarde, je vois P3P Invest. Quand je reviens dans les mails, je dis, mais qui a même envoyé le mail? Je vois, c'est Goumeza et que ça n'a rien à voir, c'est même pas P3P, c'est un truc là. Et puis voilà, il vous envoie, ça vous dit claim. Et puis tous ceux qui vont cliquer sur claim pour gagner 175 $, mes amis, c'est les 175 $ de votre suicide. C'est-à-dire, vous êtes en train de vendre ou alors de partager vos informations personnelles. Et ces gens-là, tout gaillardement, vont se connecter dans votre compte P3P et vous voler votre argent. Vous faire bloquer vos comptes et vider vos comptes. Vraiment, c'est une alerte. Je vous exhorte à partager au maximum parce que ça m'a fait mal. Quelqu'un qui perd 18 comptes P3P, ça fait mal. Et lui et ses fiels et tout le reste, ça fait mal. Arrêtez, ne cliquez pas sur ce mail. Ne cliquez surtout pas sur ce mail qui n'est pas de P3P. P3P. Pour le connaître, il écrit P3P et vraiment, c'est toujours un no reply et non. Et vous voyez, c'est une adresse professionnelle P3P.com. Et sachez qu'il ne peut pas avoir deux noms de domaine pour deux personnes différentes. Voilà. Donc, vous voyez que c'est P3P Invest. Donc, attention les amis. Stop, alerte, 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 alerte à scam pour du vol de vos informations. Et toi, mon frère, qui te demandais comment ils ont fait, en fait, voilà comment ils ont fait. Tu as certainement cliqué sur ce mail-ci. Tu as certainement fait l'erreur de cliquer sur claim. Et voilà. Pardon. Tu as certainement fait l'erreur de cliquer sur ce mail-ci. Voilà. Pour. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'es fait pirater ton compte. Voilà.
Les amis, j'espère que la vidéo, si vous aurez aidé, s'il vous plaît, partagez ça à vos fioles pour qu'ils ne tombent pas dans le même compte. Et surtout, écrivez au support de Pétrompé, envoyez-leur cette capture de mail pour qu'ils sachent que vous vous êtes fait scammer et qu'on vous restaure vos mails avec une nouvelle adresse mail. Donc, allez-y les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout, n'oubliez pas de liker, cliquez surtout sur la cloche de notification qui va vous aider à recevoir toutes les notifications de mes vidéos et surtout de ne pas manquer ce genre d'alerte. On se dit à très bientôt. Vraiment, ça urge. Partagez. Scam, alerte, Pétrompé. Scam, alerte, on a piraté, on a dupliqué le compte de Pétrompé, le site de Pétrompé. Et vous voyez que ce n'est pas Pétrompé lui-même, c'est Pétrompé Invest. Attention, ne rentrez surtout pas vos informations. Attention, prenez toujours la peine de regarder ici. Ce n'est pas Pétrompé.com, mais c'est Pétrompé Invest. C'est des scammers, c'est des arnaqueurs, des hackers pour pirater vos comptes. Ok, les amis, j'ai assez parlé. C'est que je suis tellement énervé. Vraiment, j'espère que cette vidéo va t'aider. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.